J'appartiens à la commission Éden du sacerdoce royal chargée d'embellir tous nos événements. La commission a deux missions majeures. La première est l'organisation des temps de prière et de rencontres. Et la seconde mission est de veiller à la sécurité des biens et des personnes pendant, avant et après les temps de prière. La mission Saint-François a pour objectif d'apporter la bonne nouvelle au monde des décideurs afin que les décisions soient plus justes et plus conformes à l'évangile du Seigneur Jésus. Responsable de l'intendance générale de l'apostolat, nous avons pour mission essentielle de fédérer les forces vives, les forces actives au sein de l'apostolat afin de permettre une fluidité de nos activités. La mission sociale a pour objectif de créer du lien social et humain dans l'apostolat, d'apporter du soutien aux familles, aux frères de l'apostolat qui traversent des moments difficiles, des moments heureux. Nous sommes également chargés de nous occuper de tous les cas sociaux de l'apostolat. Alors, j'ai décidé de m'engager dans la mission Jean-Baptiste parce que tout jeune, le Seigneur m'a fait la grâce de travailler tout jeune. Alors pour moi, c'était une manière vraiment d'apporter mon savoir-faire pour aider un peu à l'évangélisation, raison pour laquelle j'ai adhéré à la mission Jean-Baptiste. Première vue, c'était l'organisation qui m'a marqué, la très bonne organisation au niveau des temps de prière, venir dans un groupe où il y a, c'est très bien organisé, chacun connaît sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. C'était vraiment très beau à voir et j'ai voulu intégrer cette équipe pour donner le meilleur de moi-même. Ce que je sais faire et que j'aime faire, c'est ce que j'ai trouvé au niveau de sacerdoce royal. Donc c'est pourquoi j'ai intégré ce ministère. En tant que financier, Dieu m'a fait la grâce de travailler dans le milieu des finances et j'ai pu voir dans l'apostolat tous ces jeunes qui ont des besoins et ces familles qui ont des besoins particuliers. Et donc, j'ai voulu apporter ma part à cette œuvre. Ministre de l'embellissement des parvis du royaume. Et ministre des collectivités territoriales. Ministre du plan et du développement du royaume. Ministre attaché auprès du Parlement du Royaume. Ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale du Royaume. Toi aussi. Rejoins-nous. Et mets ton talent au service de la Nouvelle Alliance.